Et du coup, j'ai revu Anaïs hier, mais tu sais, ça faisait un petit moment qu'on se tournait autour, et là, cette fois, ben, ça y est, on a conclu. Genre, je suis allée avec elle chez elle et on a couché ensemble. C'était trop bien, vraiment, comme dans un film, c'était génial. Et tu sais, je lui avais parlé que je voulais aller en Norvège, et du coup, cette meuf, elle est incroyable, parce que je m'endors à ses côtés, et quand je me réveille le lendemain matin, elle me dit, bah tiens, j'ai acheté un billet d'avion, on part en Norvège la semaine Wow. prochaine. Du coup, ben, la semaine prochaine, je m'envole avec elle, en amoureuse, français. C'est ouf. Félicitations, c'est trop bien. Ouais, merci. Et toi, du coup, ça va en ce moment? Bah ouais, ça va, enfin, comme d'habitude. Tu sais, c'est un peu bancal, quoi. En fait, il est reparti 3 jours. Et quand il est revenu, il m'a dit qu'il avait perdu mon portable dans le train. Tu sais, comment je suis avec mes affaires, j'y tiens quand même. Et je me suis un peu énervée, il l'a mal pris. Il m'a dit de quoi tu t'inquiètes, je vais t'en racheter un de portable, même un mieux, qu'il m'a dit. Qu'est-ce que tu crois? Tu m'as pris pour une salope? J'ai dit non, non. Il a continué en me disant, c'est pas parce que je suis dans une mauvaise passe que je suis devenue aveugle. Je vois bien tout ce que tu fais pour moi, qu'est-ce que tu crois? En fait, quand j'ai commencé à réagir, il était trop tard. Il m'a dit, j'ai trouvé un boulot de barman, qu'est-ce que tu crois? Faut bien que je te rembourse, c'est tellement près de tes sous. Mais tellement près de tes sous, il a dit, mais je fais juste attention à mes affaires. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. C'est comme quand je t'avais raconté, tu sais, qui m'avait dit va nous chercher des verres. Je lui ai dit non, je veux pas. Et tu m'avais répondu, t'es sûr que tu veux jouer à ce jeu-là? Tu sais bien que tu vas perdre. J'ai répondu oui. Je sais. Enfin bref, je lui dis j'en ai rien à foutre que tu me rembourses, tu vois la porte, tu la prends et on est quitte. Il m'a dit quitte de quoi? Tu veux me foutre à la porte et me quitter? J'ai dit oui, j'ai envie que tu partes. Et il a dit ça marche pas comme ça. Il a commencé à se rapprocher de moi et il m'a mis contre le mur, il a commencé à me faire des menaces. Ça m'a rendu dingue. Il s'en était jamais pris à moi physiquement. Et je me suis mise à hurler, il voulait pas qu'on m'entende. Alors il m'a mis par terre. Il m'a mis un coup de pied dans la poitrine, l'autre dans la cuisse. Je faisais que me débattre. Et vu que je me mettais encore à hurler, il m'a foutu un coup de poing dans la gueule. Et après, je me souviens plus. J'ai entendu la porte. Oh.